أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour de mardi 21 mai, et il est précisément 22h25, bonsoir toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, je suis dans le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de débat. En effet, en cette journée, le shir malikite Chaban était en live, comme il l'est par ailleurs tous les jours. Question lui a été posée concernant le débat. Réponse a été donnée. Ouverture des guillemets. Je n'ai pas que ça à faire. Fermeture des guillemets. Donc le Cheikh Chaban étant trop occupé pour non pas débattre avec moi, parce que le débat se posait en second plan, mais pour venir se justifier concernant le fait de toucher à l'honneur, à la dignité d'un musulman. De surcroît dans son dos, lorsqu'il a tenu les propos qu'il a tenus, en me qualifiant de bourricot, de jahel mutlaq. Ce qu'on peut évidemment considérer qu'il s'agisse évidemment de bourricot, d'un âne, du dernier de la classe. Et considère qu'il n'a pas à se justifier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas que ça à faire. Il a autre chose, un petit peu comme tout le monde. Difficile de croire au sérieux de cette raison lorsqu'on sait que ce dernier est tous les jours sur TikTok. Non seulement il est tous les jours sur TikTok, mais il débat avec qui le voudra tous les jours. Débattu avec des coranistes, tout à l'heure il parlait de la terre plate, d'après ce qu'on m'a rapporté, pendant des heures, enfin pas des heures, mais pendant un long moment, il débat avec partout en fait, il est partout, il est sur tous les lives, sur tous les trucs, qu'il s'agisse de la météo, qu'il s'agisse des étoiles, des montagnes, de la terre, du coranisme, parfois du chiisme. Mais avec moi, il n'a pas le temps. Voilà. J'en tire, me concernant, les conséquences qui s'imposent. Sans crainte évidemment d'avoir transgressé un principe moral de l'islam. Et pour moi, c'est le plus important. Donc à partir d'aujourd'hui, je te considère comme un fasiq. Voilà. Tu m'as donné la justification légale, j'ai envie de dire, devant Allah, de te considérer comme un fasiq. Parce que lorsque tu me qualifies de jahl mutlaq avec ta meute, et que ces derniers sont pliés en quatre, rigolent comme si on était dans un bistrot et ça les fait marrer, et lorsqu'on te demande des comptes pour justifier tes propos, ta seule réponse c'est « j'ai pas que ça à faire ». Donc moi, à partir de maintenant, je te considère comme un fasiq.
Et petite parenthèse, évite d'égarer les gens plus qu'ils ne le sont déjà. Pour te donner une petite indication, la liste elle est relativement longue. Alors si je passais mon temps à t'écouter et davantage à t'enregistrer, je veux dire, je te garantis que ce serait réellement catastrophique pour toi. Évite d'égarer les gens puisqu'ils ne le sont. Par exemple, lorsque tu as débattu avec un coraniste, je te donnerai son pseudo, Calimero. Le mec, il est déjà égaré et toi, tu l'égares davantage. Tu lui as dit des choses qui étaient complètement fausses. Complètement fausses. Entre autres. Afin de justifier du bien fondé, de suivre Al-Qur'an et la Sunna, etc. Toujours pareil, en fait, finalement. À mon sens, vous ne suivez pas le Coran et la Sunna. Vous n'êtes pas des gens de la Sunna. Vous êtes des gens de Bukhari. Vous êtes des gens de musulmans. Je sais que vous ne faites pas la distinction entre le prophète et le Bukhari. Pour vous, le prophète a paraphé Bukhari. Il ne l'a pas écrit, mais c'est tout comme. Il l'a paraphé. Bukhari, c'est le prophète. Et le prophète, c'est Bukhari. Lorsque vous parlez de la Sunna, qui est évidemment, je veux dire, faut être complètement ignorant pour dire le contraire, qui est la deuxième source, évidemment, de l'islam, la Sunna, le prophète. Le prophète, c'est un raccourci que vous faites, c'est Bukhari. Vous n'êtes pas les gens de la Sunna, vous êtes les gens de Bukhari, le musulman, avant tout. Avec ce qu'il peut y avoir de bien, il y a du bien, et ce qu'il peut y avoir de mauvais, il y a du mauvais. Il y a pas mal de mauvais. Il me serait aisé, d'ailleurs, toutes les démonstrations que j'ai faites concernant le Bukhari, aucun d'entre vous n'a réfuté ces démonstrations, aucun. Il me serait aisé de vous donner davantage, et aucun d'entre vous ne pourra répondre à ces incohérences, à ces contradictions, etc., etc. Aucun. Vous prétendez les gens de Qur'an, de la Sunna, vous n'êtes pas les gens de la Sunna. Non. Vous n'êtes pas les gens de la Sunna. Vous êtes les gens de Bukhari et de musulmans. Voilà. Moi, j'ai rien à ajouter. Continuez à débattre de la Terre plate. Continuez à nous expliquer que ce que tu expliques, en fait, voilà. Raconter ce que tu racontes. Et puis voilà, tu rendras des comptes devant Allah. À n'en pas douter, tu rendras des comptes devant Allah. Parce qu'on ne parle pas dans le dos des gens, on ne touche pas à l'honneur des gens, et on ne se défile pas lorsqu'il s'agit de venir se justifier. Je te demandais simplement une justification. La liste des propos que j'aurais tenus qui justifie ce titre particulièrement honorifique qui est de bourricot. Voilà. Donc moi je te qualifie pour terminer de fasiq et de jahel parce que tu dis beaucoup de conneries. Lorsque tu viens dire aux gens que les compagnons n'ont commis que des petits péchés, je veux dire, il faut vraiment. Il faut oser tenir ce genre de propos. Les compagnons ne commis que des petits péchés. C'est peut-être pour ça que les hadiths de. Vous ne respectez même pas le Bukhari musulman. Vous ne respectez que quand ça va dans le sens de votre secte. C'est peut-être pour ça que les textes de Bukhari musulman qui nous apprennent que le jour du bassin, il y aura un certain nombre de compagnons, je cite, de compagnons que le prophète connaîtra, reconnaîtra et qui le reconnaîtront. Et qu'ils seront éloignés du prophète vers l'enfer, et que le prophète s'exclamera, ce sont mes compagnons, ashabi, ashabi, et qu'on les amènera en enfer, c'est ben, on les amène en enfer parce qu'ils ont commis que des petits péchés. Ben, c'est connu ça. C'est pour ça qu'ils vont en enfer. Et la liste, elle est énorme. Énorme. Je veux dire, il faut oser tenir ces propos.
Les compagnons n'ont commis que des petits péchés. Ils n'ont commis que des petits péchés. Ouais. C'est vrai, calomnier la femme du prophète Mohammed, Aïcha, radiallahu anha, la qualifiant de. L'accusant d'avoir trompé le prophète, c'est un petit péché, c'est pas méchant ça. C'est pas des compagnons. C'est pas Mistah qui l'a calomnié, dont le prophète a flagellé. Par ailleurs, qui a fait Badr, c'est pas celui et celui-là que l'on trouve. Et ça, c'est un petit péché, c'est un petit péché mignon que d'accuser la femme du prophète. Par contre, lorsque c'est les chiites qui le disent, vous dites, ils insultent Aïcha. Ils disent qu'elle a trompé le prophète, etc. Mais lorsqu'il s'agit des compagnons comme Mistah, qui a fait Badr par ailleurs, c'est pas grave. Radi Allah anhu wa arda, sahabi jalil. C'est un petit péché. Bref, peu importe. Ok. Donc tu connais la relation entre toi et moi maintenant. Moi, tu m'as donné la justification contre toi. Voilà. Donc moi, j'ai devant Allah, je suis clair. Alhamdulillah. C'est pas ton cas, à mon avis. C'est pas ton cas du tout. Cheikh Malikite qui conseille aux gens de faire Shawwal. Shawwal qui est considéré comme une bid'a chez l'imam Malik. Comment un Malikite peut conseiller de faire Shawwal? Tu suis l'imam Malik ou tu ne suis pas l'imam Malik? Ah oui, c'est vrai que tu as ton machin entre deux chaises en fait. D'un côté, c'est Sahih Muslim. Par ailleurs, il me semble que Bukhari ne le rapporte pas. Et puis, de côté, il y a Malik. Alors, que faire entre notre shir et entre un texte Sahih, authentique? Mon shir dit que c'est bid'a, ça n'existe pas. Qu'il n'a jamais vu quelqu'un à Médine, jamais connaît pas. Shawwal, ça ne lui parle pas. Ah, mais dans Muslim, il est rapporté. Et tu conseilles de faire Shawwal. Donc tu ne suis pas ton maître, tu ne suis pas ton chir. Il s'est trompé, c'est vrai. Il s'est trompé, l'information ne lui est pas parvenue. Ah oui, ça c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Simplement, vous savez plus où vous en êtes, tout simplement. Parce que des textes dans lesquels l'imam Malik s'oppose et considère que c'est bid'a et que c'est faux, etc., et qu'il ne valide pas, dans le Bukhari et Muslim, il y en a plein. Le fait de rompre le jeûne involontairement, pour Malik, il faut rattraper. Donc, Bukhari, Muslim, il ne faut pas rattraper. Tu dois continuer, ton jeûne, il est valable. Alors que Malik considère que ton jeûne est nul. Tu suis Bukhari, Muslim, ou tu suis Malik? C'est difficile, hein, de faire des acrobaties comme ça. Mais ça fait partie de votre monde de paradoxe. Hein, le petit imam qui nous expliquait que... On y reviendra dans ces vidéos, Inch'Allah. Qui nous expliquait que l'imam Malik n'avait pas de... qu'un muhaddith devait voyager pour avoir ce titre, mais l'imam Malik, lui, il n'avait pas besoin. Parce que vous savez, ceux qui recueillent les hadiths sont obligés, pour avoir ce titre, de voyager pour recueillir partout au Sham, etc., les hadiths, pour pouvoir faire leur boulot. Sinon, tu n'es pas un muhaddith. Mais l'imam Malik nous expliquait que lui, il n'a pas besoin. Parce qu'il était dans la ville du prophète. Et donc, il avait tout à portée de main, j'ai envie de dire. Il est dans la ville du prophète, à Médine. Donc, il n'a pas besoin de voyager. Parce qu'on nous dit qu'il n'a pas voyagé. Ben, s'il a tout à portée de main, comment ça se fait qu'il n'avait pas le hadith de Shawwal? Il n'avait pas quelqu'un qui connaissait Shawwal à Médine. Donc, d'un côté, il n'a pas besoin de voyager parce qu'il a tout à portée de main. Puis, de l'autre côté, ben non, il a pas eu connaissance de ce hadith. Ah ben, ça cause problème. S'il a tout ou il n'a pas tout. Il a les aptitudes de pouvoir dire, de faire une école ou il ne l'a pas. Et s'il il l'a pas, ben il n'est pas habilité à pouvoir décréter ceci et cela, puisqu'il n'a pas les informations. Alors tantôt, il n'a pas besoin de bouger, il a Médine, il y a les compagnons, il y a tout, le machin truc. Puis de l'autre côté, ben, ce hadith n'est pas parvenu. Il n'est pas parvenu. Donc vous le remettez en question. Donc il s'est exprimé parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Ah d'accord. Et pour Abu Hanifa qui considère que Shawwal c'est bid'a aussi, il ne lui est pas parvenu, Abu Hanifa.
C'est inquiétant s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parvenues et qui vous emmènent. Inquiétant. Très inquiétant. Bref. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.